Bienvenue sur automoto.com, c'est dans les fabuleux paysages du nord-ouest de la Norvège, sur la route qui longe l'océan, que Bentley nous présente sa nouvelle Continental GT. Quand on dit nouvelle, il s'agit en fait simplement d'un restylage avec nouvelle face avant, nouvelle face arrière, qui lui donne un peu plus d'assise sur la route. Ce modèle conserve un design totalement intemporel, qui est fait pour durer bien évidemment. C'est un modèle qui a été lancé en 2003 sur la base de la Volkswagen Phaeton. Nous avons donc toujours le choix entre le fabuleux W12 6 litres, avec pour principale évolution mécanique un passage de 575 chevaux à 590 chevaux et petite évolution, une baisse de consommation de 5% purement symbolique grâce à la coupure de 6 des 12 cylindres. Nous allons maintenant voir ce que ça donne au volant. La polyvalence, c'est vraiment ce qui caractérise le plus cette Bentley Continental GT et GTC, à savoir que c'est une voiture qui sait tout faire. On peut imaginer un riche propriétaire qui a eu toutes les voitures les plus fabuleuses de la création, qui après avoir tout essayé, va largement se contenter de la Continental. C'est une 4 places, confortable comme il se doit, comme toute Bentley, extrêmement performante et super sûre sur la route dans la mesure où bien évidemment elle a une transmission 4 roues motrices permanentes. Une voiture qui sait tout faire, qui est délicieuse à conduire en cruisant, comme nous le faisons en ce moment, mais qui est tout à fait capable de tenir la dragée haute à certains modèles beaucoup plus sportifs, grâce donc à sa transmission et à ses performances exceptionnelles. Quand on connaît son poids, plus de 2,3 tonnes, ce sont les limites de la voiture. Elle n'est évidemment pas aussi agile qu'une petite sportive, mais elle sait absolument tout faire, et toujours dans la distinction typiquement britannique. Inutile de dire que le confort est en rapport avec le standing de la voiture. Suspension pilotée avec 4 modes, du plus confortable au plus ferme. La finition est évidemment et heureusement, j'allais dire, à ce niveau de prix irréprochable, avec un cuir le plus haut de gamme du marché automobile actuel, des boiseries qui peuvent être aussi remplacées par de l'aluminium guilloché, une véritable GT comme on en rêve.